You are listening to Apex One Radio. Stay with us for the best bet in the new wave of communication. Apex One Radio. Get informed, enjoy, and learn. Elle s'appelle Alvine Diba, l'actrice camerounaise. And of course, we're now moving to Douala, where Alvine Diba has now joined us to tell us about her career and, of course, her ambitions in the seventh art. Alvine, welcome to African Fiesta. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, monsieur Ernest. Je vais bien et vous, comment vous allez? Je suis très très bien, merci à Dieu. Comment va Douala cet après-midi? Oh, Douala va très bien. Juste qu'il fait tellement chaud, il y a beaucoup de chaleur ici. Et en passant, je voulais te remercier de me faire participer à cette émission. C'est vraiment gentil de ta part de penser à la culture africaine. Ok. Je comprends que tu vis à Yaoundé, n'est-ce pas? Tu vis à Yaoundé? Oui, je vis à Yaoundé. Là, je suis à Douala en déplacement. Ah, ok. Ça, c'est très, très bien. Et comment va la capitale économique cet après-midi? Oh, la capitale économique va bien, va bien. Il y a beaucoup d'embouteillages, vu la préparation des fêtes de la fin d'année. Vous connaissez comment c'est souvent ici la capitale économique. C'est pas facile de se déplacer. Comme toujours. Surtout à Ndokoti, hein? Ah, Ndokoti, c'est grave, hein? Même les pitons ne peuvent même pas passer. Je dis, c'est grave. Je comprends. Même les pitons n'ont même pas. Ok. C'est grave, les motos de la Bon. Ok. Dis-nous, qui est Alvine Diba? Bon, je vais d'abord commencer par dire que Alvine Diba est africaine. Et elle est originaire du Cameroun, plus précisément du littoral. Donc, Douala. Je suis Sawa. Et je suis une étudiante en Master 1 en droit des affaires à l'Université de Yaoundé deux fois. Donc, j'envisage aussi de faire carrière dans le cinéma ici au Cameroun et pourquoi pas dans tout le monde entier. Ok. Alvine, dis-nous, quand est-ce que tu es entré dans le monde du cinéma? Le cinéma, je suis entré dans le monde du cinéma il y a cela 4 ans. Donc, je vais dire en 2011. Oui. Cela fait exactement 4 ans que je suis dans l'industrie du film camerounais. Quand j'étais encore à l'université, au niveau 1, là où j'ai été vraiment pris par cette flamme qui brûlait en moi de commencer avec le cinéma. Ok. Et quelle était votre motivation? Je vais d'abord commencer par dire, je vais appeler d'abord Dieu. Dieu est d'abord ma première motivation. Ok. Et déjà, si j'ai envie, c'est grâce à lui. Donc, je rends grâce à Dieu d'abord pour moi et pour cette passion qui brûle en moi. Je vais aussi parler de l'amour que j'ai toujours eu pour le cinéma. Surtout que depuis que j'ai été petite, dans les écoles, l'école primaire, l'école maternelle, j'ai toujours appartenu au club théâtre. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours touché depuis ma tendre enfance. Et quels sont les films que tu as joué dedans? Pardon, vous dites? Et quels sont les films que tu as joué dedans? Ah, ok, je vais commencer par en 2011 déjà. Je vais commencer par le film Fleshy. Fleshy, avec le réalisateur El Pinge. Ok. Après, j'ai tourné Flash Not My Mindset par T.A.T.I.A. Après, j'ai tourné dans Invincible Affection by Clarice. Ensuite, je suis allée à Bamenda, Northwest Region. Là, j'ai tourné Wrong Constitution avec Yopa Roland. Ok. Suivi par Y, Mary by D'Agostino. Et plein d'autres films, monsieur Ernest. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Ok. Il y a le Return of the Beast by Naya. Il y a Four Wahala. Il y a beaucoup. Ok, et je comprends aussi que tu fais partie de Bad Angel, la série télé qui passe à la CRTV. Dis-nous comment ça s'est passé et comment tu es entré dans ce projet. Bon, là, je vais d'abord commencer par remercier une grande personne à moi, un papa. Mon père spirituel dans le cinéma, c'est Tanui de Daddy.
Ça fait que grâce à lui que j'ai eu l'information qu'il est en train de passer un casting. Ok. Au lycée de Biémak, à Yaoundé. Donc, je me suis rendu et j'ai été prise pour le rôle de Jennifer. Donc, Jennifer est dans le Very Bad Angel. Elle est chef d'entreprise, quoi. Mm. C'est comme ça que j'ai été prise pour le rôle. Ok. Et quel est ton rôle dans cette série? Vous dites? Et quel est ton rôle dans cette série? Oui, mon rôle dans cette série, comme je disais tantôt, c'est là, je m'appelle Jennifer. Ok. Et je suis manager, c'est-à-dire chef d'entreprise dans la société de, je ne sais pas si je peux citer son nom, monsieur Otia Vitali. Pas Otia Vitali. Donc, il fait partie aussi d'un des acteurs dans la série. Donc, en fait, je joue avec lui à ses côtés, mon mécune, Ayon, oui, et qui est aussi son épouse. Donc, je suis chef de son entreprise, je dirige ses affaires, je prends soin de son argent, je vois les manigances, ce qui se passe dans la société, et j'essaie de gérer les difficultés avec les gens de l'extérieur comme les gens de l'intérieur. Mm. C'est un peu ça. Mm. And her name is Alvine Diba, Cameroonian actress, featuring in Bad Angel, a TV series that is currently playing on CRTV. She's speaking live from Douala, where the actress has been visiting. She resides in Yaoundé, and of course, she is a student of the University of Yaoundé to Soa. Bon, Alvine, dis-moi, comment était votre expérience avec d'autres acteurs, actrices dans cette série? Et les autres seigneurs aussi. Ok. Bon, pour parler de mon expérience, je vais d'abord dire que ça a été vraiment, elle a été si grande et si magnifique. Mm. Parce que j'ai eu à travailler avec beaucoup de gens, beaucoup de monde, de nouvelles personnes que j'ai eu à faire connaissance, des gens avec qui je n'avais jamais travaillé, comme McDonald's Libota, comme Adekeli, comme Cindy et Madet. Tous ces gens, ce sont des personnes qui sont vraiment merveilleuses, avec qui j'ai eu vraiment une grande expérience. Mm. Parce que comparé à mon cinéma d'avant et maintenant, j'ai eu l'opportunité et la chance de travailler de côté de ces gens. Et vraiment, ça a été un grand plus à ma carrière et ça m'a vraiment reboosté. Mm. Et je suis quelqu'un d'expérience maintenant. Ok. Et parler de ta carrière, j'imagine que tu as eu les défis aussi. Hein? Quels sont les problèmes que tu as? Oh, I love this question. Now, maybe I like it, but I love the question. Mm. C'est la question que j'attends vraiment parce que, je me suis dit, ça n'a pas été facile. Mm. Si c'est comme j'ai dit, je suis originaire du littoral. Donc, ce qui fait que je suis, comme on dit ici au Cameroun, francophone. OK. Et ayant fait la section anglophone, j'ai été difficilement accepté par les acteurs anglophones dans le monde du cinéma, à beaucoup surtout. Donc, ça, c'est l'une des plus grandes difficultés que j'ai pu faire face. Ça n'avait pas été facile parce que quand je pars, par exemple, là, ils sont regroupés, je dis, je vais me présenter aussi pour un casting et tout ça. Mm. On dit, ah, by the way, je sais pas, on voit qu'il y a des choses comme ça. Right. You know, j'ai tiré le projecteur, you know, ça n'avait pas été vraiment facile. Donc, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, beaucoup touché. Mais néanmoins, j'ai pu remonter la pente. J'ai pu surmonter tout cela grâce à plusieurs personnes qui m'ont entouré. Les gens qui ont toujours été là pour moi, comme mon papa spirituel, Daniel de Daddy, comme je disais tantôt à Dekeli, comme Corian Obama. Right. Il a toujours été là pour moi, il m'a toujours tenu la main. Donc, je ne peux remercier les gens sans mentionner son nom parce que c'est quelqu'un de vraiment encourageant. Right. Il m'a dit, Alvin, you can do it. No matter what you say, you can do this. Mm. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Right. But Alvin, I would imagine that you also have this positive feeling in you that you are a Francophone or you are a French-speaking Cameroonian, yet you do movies in English and you succeed in doing that. So do you have that special feeling, that pride in you that at least I can make it, I'm a bilingual actress? Oh, yes. I don't know, like, I do have.
Je vais commencer d'abord par dire merci à Dieu de m'avoir créé, de m'avoir mis dans ce monde. Merci à mes parents. Merci à mes professeurs aussi à l'école, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu être la femme que je suis aujourd'hui, parfaitement bilingue. Donc, je vais dire mon bilinguisme a fait de moi quelqu'un d'unique et de différent. Parce que j'ai quand même eu la chance de participer dans le projet en même temps francophone qu'en même temps anglophone. Donc, ce qui fait que c'est un plus et ça fait de moi vraiment une actrice, comme on dit, différente. A little point of difference from other, of different, difference from other people. Right. Donc, c'est un peu ça. Bon, à part de ton bilinguisme, hein, quelles sont d'autres forces que tu as comme actrice? Bon, je vais dire, je connais d'abord déjà. Ok. Je suis courageuse. Parce que pour être actrice, il faut d'abord avoir du courage. Je peux parler devant des gens. Je peux manifester en public. Je m'en fous. Donc, si c'est avant d'être actrice, il y a certains trucs qu'on laisse de côté. On laisse la honte de côté. On laisse parfois l'amour de côté. Donc, tout se sacrifier pour ce qu'on aime le plus cher sur la terre. Donc, je dirais qu'il y a tellement d'autres choses que je ne peux citer en ce moment, mais tout ça englobe l'amour que j'ai pour le cinéma. C'est ça qui me donne cette force, ce courage de pouvoir affronter tout et toujours continuer. Et ce qui fait de moi, je dis ça. How would you assess the film landscape in Cameroon today? Oh! Le cinéma camerounais aujourd'hui, mais je ne vous peux pas dire, monsieur, c'est autre chose. Hein. C'est vraiment... C'est en expansion, comme je te dis, c'est en pleine croissance. C'est boum, en fait. Je te dis, les choses vont maintenant plutôt très vite. Nous avons, vous voyez, nous avons déjà eu nous n'avons jamais eu à avoir l'opportunité d'avoir une série qui passe dans, de nos jours. Peut-être avant, je peux parler de Mitagana aussi. Oui, il a eu à faire passer la première série qu'il a fait, Zinga from the Battle of Man contre la CRT. Okay. Maintenant, Bad Investigation, comme deuxième série, c'est vraiment un plus pour le cinéma camerounais. Pourquoi? Parce que nous voyons que nous avons été supporté par le gouvernement, on est supporté par le ministre de la Culture, on est supporté par les sponsors, on est supporté... Bon, en fait, les sponsors viennent de partout. Et tu vois que ça donne le courant à rebousser maintenant plusieurs autres sponsors à vouloir faire du cinéma camerounais. Et il y a tellement de projets maintenant. En une année, tu peux te retrouver en train de tourner peut-être 5 films ou bien 7 films. Or, avant, c'était peut-être... After shooting one movie, you wait again after 3 years to shoot again another one. But now, really, it's changing. Really, the rate is really high. Right. And I thank God for that. Ok, bon, dans 5 ans, dans 10 ans, dans peut-être 15 ans, où est-ce qu'on espère de voir Alvine Diba? Wow. Je veux que là, alors, la question, si tout le monde aura les problèmes, parce que j'ai tellement de projets en vue, je ne sais pas. Je vais d'abord commencer, je vais d'abord m'arrêter toujours ici au Cameroun. J'espère toujours être là pour pouvoir continuer à prouver mon talent ici, en Afrique, au Cameroun, et pourquoi pas dans tout le monde entier. J'ai des projets en vue, mais pour le moment, je ne peux encore vous les révéler. Donc, c'est un peu ça. Allô? Oui, allô, ok. Oui, je te suis. Bon, Alvine Diba, il y a certainement les annonceurs, les producteurs, les sponsors qui écoutent cette émission. Si quelqu'un veut être en contact avec Alvine Diba, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, bon, d'abord, je peux vous donner ma boîte email, yahoo, c'est alvindiba@yahoo.com. Donc, je vais me répéter, je dis alvindiba@yahoo.com. Si vous répondez toujours au nom d'Alvine Diba, sur, pas toujours la même chose, Alvine Diba,
Et là, mon contact, mon mode de son, je vais mettre le plus 2, 3, 7 d'abord. Et je vais faire le 6, 90, 78, 38, 42. Je répète le code du coup, c'est plus 2, 3, 7, 6, 90, 78, 38, 42. Ou bien le numéro MTN qui repose aussi, 76, 07, 01, 50. I don't know if I should take the number too. Yes, go ahead. Go ahead. Yeah, in English, my number goes down. People call it plus 237. Okay. They add 6, and then it's 9783842. That's 6, 9783842. Okay. And for the MTN number, it's 7607150. Thank you. Okay. 6907838842. Okay. Alvine Diba, je vais dire 10 sur 10 et merci beaucoup d'avoir été avec nous ce jour dans cette très, très grande émission. Merci à vous. Merci à vous, monsieur Enes. Merci à tout le monde, à toute l'équipe de production. Et j'espère juste que le meilleur pour la fin. The sky is our limit. Il faut passer une très très grande journée là-bas à Douala. Merci beaucoup, Alvin. Merci. Bye bye à vous. Bye bye. Thank you again for tuning in with Apex One Radio. Stay with us on www.apexoneradio.com. Apex One Radio, your radio.